Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Moi, c'est Tatiana, toujours pareil, j'ai pas changé. De la chaîne Mes fils en aiguille, c'est marqué dessus, donc vous le savez. Et tout pareil sur Instagram si vous voulez me suivre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que le temps vous satisfait ici, ça ne me satisfait pas. Je suis toujours en train de me plaindre du temps, j'ai remarqué. Mais faut bien avouer que cette année, c'est quand même un peu pourri. Voilà. Alors aujourd'hui, il fait beau, mais il y a un vent de gueudin. Froid. Voilà. Voilà. Mais bon, écoutez. On a eu 3 jours de beau temps. C'était magnifique. Mon rhume des foins a explosé. Mais je m'en fous, il faisait beau. Bon, bref. La page météo est passée. Voilà, j'espère que pour vous, ça va. Merci pour tous vos derniers commentaires, encore une fois, comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs, quoi. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous, quand même, avaient trouvé ça un petit peu... gênant que je jette autant de vêtements. Donc je tenais à revenir là-dessus. J'ai pas jeté grand-chose, j'ai surtout donné. Parce qu'il est hors de question de jeter des vêtements portables, hein. C'est pas du tout ma philosophie. Il y en a quelques-uns que je vends, mais j'ai surtout donné en fait. Et ce qui n'était vraiment pas portable, comme mes deux jeans, là on rentre pas dedans. Il y en a même trois. Il y en a deux, on rentre pas dedans. Alors, il y en a un, je vais quand même voir avec une copine, on sait jamais. Quelqu'un qui est très mince, voilà. Mais bon, comme il y a peu d'élasticité, ça reste peu confortable. Mais il y en a un que je jette parce que là, l'élastique... Enfin, personne pourra rentrer dedans de toute façon. Voilà. Donc, je récupère la mercerie. Et le deuxième, enfin le premier en tout cas que j'avais cousu, il est bourré de défauts, donc ça je peux pas donner, je récupère à nouveau la mercerie, et voilà, mais sinon non, je ne jette pas des vêtements portables, non, non, je donne à des associations, je donne, voilà, mais je ne jette pas, voilà. Le point est fait là-dessus, donc, mais je comprends parce que ça pourrait être effectivement gênant d'avoir tout ce stock de tissus que j'aurais jeté. Il y a d'ailleurs des choses que j'ai gardées, comme la robe en lin, pour essayer de transformer ce lin. Bon, je l'ai lavé, les taches sont pas parties. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même faire quelque chose avec, je vais récupérer tout ce lin parce qu'il y en a quand même un bon métrage, et je vais faire quelque chose avec. Voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui, je vous propose un bilan couture. Oui, nous sommes le 4 juillet, donc je suis dans les temps. Pour mon bilan couture du mois de juin, j'espère que ça va vous plaire. J'ai à nouveau pas mal cousu, je me suis bien amusée au mois de juin, donc c'est chouette. Et bah, je vais vous montrer ça. Il y a un tout petit peu d'enfant et après c'est que de la femme. Couture un peu égoïste ce mois-ci, mais écoutez, faut se faire plaisir. Voilà. Bon bah on y va. Alors, pour commencer, je vais passer très rapidement sur les premières coutures enfant, parce que c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, je ne sais pas combien de fois, donc ça va finir par vous saouler. Moi-même, ça commence à me saouler. Mais c'est des coutures hyper efficaces pour les enfants, c'est top. Donc, voilà. J'ai fait
un pyjama pour chaque enfant. Il y en a un que je ne peux pas vous montrer là parce qu'il sort de la machine, il est dehors en train de sécher parce que vu qu'il y a du vent, ça sèche vite, c'est cool. Donc là, je ne peux pas vous le montrer. Peut-être que je vous calerai une photo si d'ici le montage, c'est sec. Voilà, et le deuxième, je vous le montre tout de suite. Donc, les patrons viennent de cette revue Autobré Design spéciale, basique, enfant, qui date de 2021 déjà maintenant, hein, ça commence à dater. Ça commence à dater. Donc, je vous montre rapidement, hein, parce qu'on ne va pas y passer des plombes. Donc, il y a cette... Le t-shirt, alors pareil, il sort de. Lui, je l'ai ramassé sur le Tankerville juste avant de filmer. Donc, il n'est pas repassé, mais de toute façon, je ne repasse pas les pyjamas des enfants, hein, faut pas abuser. Voilà, j'ai un peu autre chose à faire. Donc, dans ce petit jersey de coton que je vous avais déjà montré, je crois, il vient de chez RL Tissu, il me semble. Voilà, avec des petits piou-piou! C'est trop mignon. Voilà. Et puis, j'ai terminé avec un petit bord-côte rose pâle qui était dans mon stock. Donc, voilà. Et je trouvais que ça allait bien avec. Donc, ça, c'est pour ma fille. Et il y a le short, mais qui est long pour elle pour l'instant. Comme ceci. Pareil. Alors, oui, ça remonte parce que j'ai pas fait de surpiqûre pour retenir le... Le bord-côte en place. Je vous avouerai que ce sont des pyjamas et bon, je m'enquiquine pas trop. J'avais la flemme de sortir la double aiguille pour faire, pour terminer. On est sur du pyjama, donc bon, ça va. Voilà. Avec une petite étiquette pour montrer où est le devant, où est le cucu. Et voilà, donc c'est large. Pareil, elle met encore des couches, donc il y a la place, donc c'est chouette pour elle. C'est large, c'est long. L'idée, c'est qu'il les garde au moins 2 ans. Voilà, parce que coûte des pyjamas, c'est mignon, mais je vais pas en coudre tous les 3 mois. Enfin, c'est un peu ce que je fais en ce moment, mais là, on arrive à un bon stock de pyjamas pour les deux. Donc écoutez. Puis surtout en fait, Elise, je m'aperçois que les pyjamas d'été, c'est pas trop son dada. Elle a vite un peu froid. Elle préfère. Elle va rechercher des gilets la nuit. Donc on va garder ça pour quand il fait très chaud. Et puis voilà. Donc voilà pour ça. Très rapidement. J'en profite pour plier. Comme ça, il n'y a plus qu'à ranger. Et pareil pour Elise. Même t-shirt, Simply the Best, du même magazine. J'ai cousu ceci dans une chute de jersey de coton que j'avais, qui est un peu épais. Mais bon, écoutez. Et puis j'ai fait la bordure avec des chutes du jersey de coton, voilà, du pyjama. Je trouve ça très mimi. Voilà. Pareil, j'ai pas fait les finitions à la double aiguille. Bon. Je suis un peu feignasse, j'avoue. Voilà. Bref, rien d'exceptionnel, mais du pratique. Du très pratique. Voilà. Et puis là, ça utilise les chutes de tissu, les petits t-shirts comme ça pour elle, c'est top. On aime ça. Voilà pour ça, c'est rapide. On passe à autre chose. J'ai cousu pour mon fils un petit jinbei. Alors. C'est une petite tenue traditionnelle japonaise qui est en 2 pièces, un haut, un bas. Donc c'est pas un kimono, mais ça se ferme en portefeuille comme les kimonos. Et c'est une tenue en fait plutôt d'été et plutôt d'intérieur ou de nuit. Voilà, en gros. Ça existe pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les bébés, bref. On en avait ramené un du Japon à ma fille quand on y était allé l'année dernière. Et Mewen voulait que je lui en fasse un. On n'en avait pas trop trouvé pour lui. C'était tout noir en mode un peu ninja et on aurait voulu un truc un peu plus sympa. Donc là, il a choisi son tissu lui-même en magasin de tissu.
On l'a acheté chez Cartier des Tissus. Voilà. Et je vous l'avais montré, je crois. C'est ce tissu-là qui lui plaît beaucoup. Et donc, je suis partie du patron Jinbei Kids by Dans la Une. Voilà. Qui est un patron que j'avais trouvé sur internet, qui était payant, mais pas très cher. Enfin, je crois que je l'avais vu en promo. Je l'ai peut-être vu sur Etsy, je ne sais plus, je crois. Alors, c'est tout en anglais. Mais ça se fait. J'ai juste eu du mal à. Il a fallu que je réfléchisse un peu, mais bon. Alors, il vous montre comment accrocher les feuilles les unes aux autres. Ça correspond pas du tout à ce que vous avez. Donc, je pense qu'il y a eu un souci quelque part. Mais bon, comme c'est numéroté, bah, il suffit de suivre les numéros, ça sort, hein. Voilà, donc c'est tout en anglais, donc faut se débrouiller avec ça, mais ça se. Oh, bah il était bien accroché celui-ci! Bon, c'est accroché là? Ouais, bon, bref. On reprend! Les aléas du direct. On verra si je laisse au montage. Donc, je disais tout en anglais, mais bon. J'ai réussi à m'en dépatouiller, donc ça devrait le faire. La seule, c'est même pas une difficulté, je vais vous montrer. Je vous montre ce que ça donne et après je vous parle de ce petit difficulté. Donc le bas, en fait, moi je l'ai fait donc en version short. Enfin là c'est ce qui vous est fourni, c'est version short. Donc le bas est comme ça. J'ai fait du 6 ans, ce qui est grand pour Mewen, mais voilà. C'est pas un souci pour Elise, celui qu'on avait acheté pareil était trop grand, mais parce que dans l'idée on voulait qu'elle puisse le mettre quelques temps quand même. Donc le short c'est vraiment tout simple hein. Là il n'y a aucune difficulté. J'ai mis une petite étiquette pour qu'il se retrouve sur qu'il retrouve où est le devant et où est le derrière. Voilà, donc vraiment pas de difficulté là-dessus, un short tout basique. Et le devant, donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de le garder plié, mais c'est pas possible. Est-ce que si je le mets sur un cintre, vous allez voir quelque chose quand même? Je ne sais pas. Voilà le devant. Donc, il y a les systèmes de petits liens à l'intérieur. Voilà, pour fermer la veste. Donc, il y a un premier lien qui se ferme ici et un deuxième ici et ici. Voilà. Voilà. Il y a une espèce de pince sur l'épaule. Est-ce que vous allez la voir? Elle est ici. Voilà. Il y a une espèce de pince sur l'épaule pour resserrer un peu. Et les manches sont vraiment. C'est des rectangles, les manches. Il n'y a pas de. Voilà. Il y a cette petite bande rapportée là, qui va jusqu'ici. Voilà. Vraiment, ça ressemble énormément au modèle qu'on a ramené du Japon. Donc ça, je suis très contente. Et donc en fait, cette pièce-là, donc il y a les manches qui sont à part. Et ensuite, vous avez un demi droit, un demi gauche. Mais le demi fait le devant et le dos. C'est vraiment une grande, grande pièce. Voilà, avec cette espèce de pince au milieu qui va marquer l'épaule. Moi, j'ai fait différemment puisque j'ai un motif qui a un sens. Donc, si j'avais fait comme ça, il y aurait eu une partie qui aurait été à l'envers, forcément. Donc moi, j'ai une couture d'épaule ici. Voilà, j'ai coupé la pièce en deux. Voilà, c'est la seule petite. C'est pas vraiment une difficulté, encore une fois, c'est vraiment. Juste un petit, voilà, un petit truc que j'ai fait en plus pour garder le sens du motif. Voilà. Effectivement, si vous le faites en couleur unie, vous n'avez pas ça. Vous gardez vos pièces entières. Voilà. Donc là, j'ai pas de vidéo portée à vous montrer puisque je monte pas sa bouille. Enfin, je vais regarder. Si j'en trouve une, je vous la mets. Mais voilà le petit ensemble et je trouve ça trop mignon et il est très content. Alors,
Il a du mal à nouer les petits liens suffisamment forts pour que ça ne se défasse pas, donc ça l'embête un peu. Donc je me suis dit que peut-être, au moins à l'intérieur, j'allais lui mettre un petit bouton pression ou un petit crochet, je ne sais pas. Mais voilà, mais après si c'est moi qui fais les liens, ça bouge pas quoi, je serre bien et puis voilà. Mais je suis contente de cette petite couture, ça faisait un petit moment qu'il nous réclamait ça. Donc c'est chouette. Je vous mets le nom du patron en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Et voilà pour les coutures enfants. Donc on peut passer directement aux coutures femmes, coutures égoïstes, s'il en est. Et j'assume totalement. Voilà. Voilà. On va commencer par. J'ai refait. Ça, je vous en avais un peu parlé. J'ai refait la combinaison Kika de Maison Fauve. Donc, je vous remonte. Voilà, cette combinaison-là que j'avais faite dans une gabardine verte un peu stretch, qui était très sympa à porter. J'ai dû resserrer un petit peu. Les bretelles, elles étaient un peu. Quand je m'asseyais, en fait, voilà, il y avait un petit vide entre mon épaule et la bretelle, ce que je trouvais fort désagréable, surtout avec une gabardine qui est un peu forcément un peu raide. Donc, vraiment, elle était au-dessus de mon épaule. Donc. Voilà, mais c'est tout. Là, je l'ai fait dans un espèce de chambray très fin. Voilà, donc c'est pas le même rendu. Et voilà ma réalisation. Et j'ai pas fait tout à fait les mêmes finitions, je vais vous montrer. Donc, bah écoutez, hein, voilà. Alors, c'est pas repassé nickel encore. J'ai toujours pas fainé mon coussin. D'ailleurs, il faut que je me motive à finir ça, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Le chassistan vous salue, il est bientôt midi. Un loulou. T'as une étiquette collée au poil, c'est bizarre. Où est-ce que t'as trouvé ça? Une gommette. Il avait une gommette accrochée. Toi, t'as traîné dans les chambres des enfants. Donc, la combinaison, voilà. Donc, vous voyez qu'on est sur un tissu qui est quand même beaucoup plus fluide, qui va être très sympa à porter quand il fera chaud. Pareil, il y a un élastique dans le dos que j'ai resserré un petit peu là pour le coup. Vous avez toujours les petites poches. Enfin, c'est des fausses poches, c'est pas des vraies poches. Il y a des poches sur les côtés. Voilà. Et donc, toujours en taille 44, j'ai pas changé la taille. Et par contre, l'intérieur. Donc l'intérieur, j'ai un peu modifié la façon de monter. C'est-à-dire que j'ai monté en fourreau la ceinture. Moi j'ai monté en fourreau avec la ceinture, voilà, le haut, le bas. Comme ça, là, ici, il n'y a vraiment pas de couture apparente. Pareil derrière. Alors derrière, il n'y a pas la ceinture, mais c'est monté aussi en fourreau, donc pas de couture apparente. Ça, c'est quand même une définition que je préfère. Maintenant, il aurait fallu aussi. J'ai encore un fil qui traîne. J'ai toujours des fils qui traînent. C'est dingue ça. Maintenant, pour bien faire, en fait, le côté où il n'y a pas la fermeture éclair, il aurait fallu aussi que je monte là en moitié en fourreau pour pas qu'il y ait de couture visible. Et après le bas, bah le bas on peut, hein. Enfin si, je crois que ça aurait été possible de monter tout ça, voilà. Non, juste là où c'est doublé. Ouais. Je réfléchirai à la question pour une prochaine réalisation. Et de l'autre côté, de toute façon, il y a la fermeture, donc ça, on peut pas y changer grand-chose. Voilà, donc très agréable. Ma fermeture. Écoutez, je crois qu'elle est invisible. Hein? Il y a quelque chose, vous? Moi, je vois rien. Juste la tirette. Donc, on est pas mal. Là, à mon avis, il y a un
petit souci de raccord, mais alors, faut le voir. Sur un tissu bariolé comme ça, bon, c'est pas très gênant. Mais voilà, je suis très très contente de ce petit, de cette petite combinaison. Ça m'en fait deux combinaisons d'été. Voilà. Maintenant, j'attends le soleil et la chaleur. Ok? Merci. Voilà. Alors, coussette suivante. Pareil, en mode été aussi. En mode été aussi. Ça, je vous en avais parlé dans mes envies un peu de couture. J'ai fait une jupe longue, voilà, dans cette viscose qui est de toute beauté. N'est-ce pas? Alors, je l'ai mal accroché par contre. Il faut que je l'accroche. Ouais, comme ça, c'est mieux. Donc, c'est une jupe qui vient d'un numéro de Burdaisy qui n'est pas très récent. Je vais vous dire ça tout de suite, le 2 2021. Effectivement, ça datait un peu. Celui-ci, voilà. Et donc la jupe, c'est celle-ci. Voilà, donc moi j'ai fait le format long, mais je ferais peut-être un format plus court aussi. Hein. Pourquoi pas? Voilà. Donc rien de spécial, si ce n'est cette fente qui monte assez haut, mine de rien. Voilà. Il y a un certain nombre de panneaux. Alors, il y a les panneaux côté, panneaux dos et panneaux devant. Voilà. Une jolie jupe, en tout cas à porter. Hyper agréable. Je l'ai fait en taille 42. J'aurais pu faire 40, honnêtement. C'est un peu grand. Et elle est un peu trop longue, peut-être. Un chouï trop longue. Donc, je pourrais peut-être prendre un petit peu l'ourlet si j'ai le courage. Voilà, mais sinon, c'est hyper agréable à porter. Voilà, on attend qu'il fasse chaud à nouveau. Mais voilà. Donc, dans l'idée, moi, j'aimerais m'en faire aussi pour l'automne des jupes longues comme ça, parce que j'aime beaucoup aussi. Voilà. C'est une idée. Peut-être que je vais essayer un autre patron aussi. Je vais voir. Mais des jupes comme ça, j'aime bien. Là, c'est vraiment la plus basique, hein, avec un élastique à la taille que je pourrais resserrer d'ailleurs un petit peu. Il n'est pas tout à fait assez serré. Il faut que je serre un petit peu plus. Mais voilà, c'est vraiment le modèle ultra simple. Mais il y a quand même plusieurs panneaux. C'est pas juste deux rectangles. Et il y a la fente. Donc c'est quand même assez sympa. Mais très simple à coudre. Vous pouvez rajouter des poches. Les poches sont prévues. Moi, je les ai pas mises parce que sur un tissu aussi fluide que ça, j'ai pas envie d'alourdir justement la cousette. J'ai pas envie que la jupe soit trop lourde. Et honnêtement, moi, je mets rien dans les proche de mes jupes parce que justement ça se voit, je trouve. Donc mis à part un paquet de mouchoirs léger voilà. Mais donc du coup non, j'ai pas mis les poches, mais elles sont prévues pour la team poche dans les jupes et les robes. Dans les robes je dis pas, mais après ça dépend du tissu peut-être, je sais pas. Moi là j'avais pas envie, donc j'ai pas fait. Voilà, c'est tout. Alors j'étais très contente de cette jupe-là et je me suis aperçue que j'avais pas de haut à mettre avec, ou très peu. Donc j'ai cousu un haut pour aller avec. Dans les couleurs de mes choses unies, il n'y avait pas grand-chose qui allait vraiment avec. Je trouvais ça un peu dommage. Donc j'ai cousu un des jerseys que je m'étais acheté, un jersey de coton.
Celui-là vient de Driesenstofen. Non, pas du tout. Celui-là vient de Self Tissu. Pas du tout. Voilà. Et j'ai recousu Madame Nikki, donc qui est ce top que j'aime bien parce qu'il a un décolleté dans le dos. Voilà. Donc, je l'avais décalqué. Enfin, je l'avais pas décalqué, j'avais coupé directement le patron. Non, j'avais décalqué. J'avais décalqué en taille M pour ma première version. Et là, je l'ai fait en L. Voilà, on va y arriver. Voilà. Et donc, voilà ma réalisation. Donc là, on est sur un espèce de... Comment définir cette couleur? C'est pas rose. C'est saumon très clair. Je ne sais pas trop. Pêche? Pêche. Peut-être pêche. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait une couleur qu'il y a dans la jupe. Mais je trouvais que ça allait avec quand même. Voilà. Je trouvais que ça allait quand même avec. Donc écoutez, je me suis pas fait plier. Donc couture toute simple ici, avec le décolleté assez léger dans le dos. J'ai fait des manches, j'ai fait ce qui me restait dans le tissu en fait. J'ai dû prendre 1 mètre de tissu ou peut-être plus, je ne sais plus. Je sais plus combien j'avais acheté de mètres. 1,40 m peut-être? Je ne sais plus. Donc j'ai fait des manches voilà, avec un espèce de gros ourlet, comme si c'était une bande rapportée presque. Voilà. Alors il n'est pas repassé. Hein. On s'enflamme pas, c'est pas grave. Mais voilà. Donc tout simple. Un haut, un devant, un dos, des manches et une bande d'encolure. Voilà. Vraiment tout simple. Les ourlets finis à l'aiguille double. Et ici au point triple. Voilà. Tout simplement. Hein? Voilà, on va pas s'embêter. Donc je vous laisse des vidéos portées pour que vous puissiez vous rendre compte. Le même patron. On est sur le même patron. Donc Madame Nikki aussi avec un jersey de coton dont je suis tombée amoureuse en allant faire un tour chez Mondial Tissu. Me demandez pas ce que j'allais faire là-bas. Je crois que j'allais acheter du fil. Non, qu'est-ce que j'allais acheter chez Mondial? J'ai pu chercher un truc particulier qu'il n'y avait pas chez Self. Mais je ne sais plus quoi. Et je suis tombée là-dessus. Et je suis tombée là-dessus. Et je l'ai trouvé trop mignon. Et voilà. Et donc, voilà. Un petit top Madame Nikki en plus. Pareil, le dos décolleté. Là, j'ai fait des manches trois quarts. Et je l'adore. J'adore le porter. Je le trouve... J'aime beaucoup ce patron de toute façon, c'est vrai que je l'avais un peu oublié, mais je l'aime beaucoup. Il y a quand même. Ouais, bon, ça a été repassé, mais ça a été plié après, donc c'est pas très beau. Mais ça suit. Enfin, ça marque un tout petit peu la taille. Ouais, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas grand-chose. C'est très facile à coudre, franchement. Et on les trouve sur Makerist. Enfin, moi à l'époque, j'avais acheté sur Makerist. D'ailleurs, en ce moment. Enfin, je sais pas si c'est encore en ce moment. Si ça dure encore. Mais il y a eu des ventes de 2 euros ou 3, 2 euros. Makerist. Voilà. Voilà. Je sais pas jusqu'à quand. Ça a commencé au début des soldes. Le premier jour des soldes, je crois. Je crois. Bref. J'adore. J'adore. Avec un jean, je trouve ça trop mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, un dernier petit top à vous montrer. C'est un que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Voilà, j'agrandis ma collection.
Bon, il est pas repassé. Je l'avais hier, j'ai pas mis de coup de fer, voilà. Donc j'en mets un peu comme il faut, mais bon. Bref. Je l'ai fait en noir. Donc c'est un modèle Burdaisy encore. Donc c'est. J'ai pas la revue avec moi, mais c'est le numéro 2 de 2022. Donc ces petits tops avec le petit col bénitier comme ça. Vous avez manche longue, manche courte, manche trois quarts. Vous avez long ou taille normale, longueur normale. Moi, j'ai refait longueur normale. Voilà, j'avais pas fait manche courte jusque-là. Donc là, j'ai fait manche courte. Et j'ai fait en taille 40, alors que les autres étaient en taille 42. Donc là, je l'ai fait une taille en dessous. Voilà. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Donc en noir, je me dis, c'est bien. Ça permet de. Ça va avec tout. Bon, je crois que Doudou a dormi dessus. Il y a un endroit où il y a plein de poils de charrue, hein. Mais c'est pas grave. Donc, bah écoutez, toujours un vrai plaisir à porter, hein. Moi, j'adore. 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 Donc là, je pense que je vais en faire en bleu aussi pour aller avec la jupe dans ce modèle-là. Je pense que ça irait bien. Ouais, je sais, j'en ai beaucoup de ce top-là, mais j'aime beaucoup les porter, vraiment. Je crois que c'est un de mes tops en jersey favoris. Pour le coup, là, ça va vraiment être dans mon top 5, je pense, de mes patrons fétiches. Voilà, de top. Bref. Et on va arriver, écoutez, au dernier patron cousu ce mois-ci. Ce fut rapide, finalement. Ce fut rapide, mais j'ai d'autres choses à vous dire après. Donc, restez là. Restez là. Ne bougez pas. Ne bouge pas, toi. Dernier patron que je voulais vous montrer. Vous faites ce que vous voulez, en vrai, hein. Si vous voulez partir, vous partez. C'est la robe, la distinguée de la jolie girafe. Voilà, qui était une marque que je connaissais de nom, mais je n'avais pas pratiqué jusque-là. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Donc là, c'est un patron que j'ai choisi dans le cadre des exercices du livre du CAP, puisque le deuxième mois, c'est donc une robe sans manches en lin. Et donc il vous faut un patron que vous choisissez, puis après vous avez un patron imposé à tester. Donc pour les patrons que vous pouvez choisir, en fait, vous avez des patrons qui sont conseillés. Vous choisissez parmi ceux-là. Voilà. Moi j'essaye de faire à peu près tous les exercices, d'aller jusqu'au bout. Donc, dans les patrons conseillés, il y a cette robe-là, qui est une robe droite, enfin un peu trapèze quand même, mais sans manches. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a un jeu de plis sur le devant et qu'elle est ouverte un peu dans le dos. Voilà, une espèce de goutte, pas vraiment une goutte, mais voilà. Donc, vous avez deux pièces. Un empiècement haut, un empiècement bas. Moi, j'ai tout fait dans le même tissu, vous allez voir, parce que c'est pas un tissu uni et j'avais rien qui allait avec, uni ou pas. Donc j'ai tout fait dans le même panneau, donc ça ne fait pas tout à fait le même rendu, mais j'aime beaucoup ma petite robe. Voilà. Je l'ai fait. Alors, je me suis reportée au tableau des tailles. Il aurait fallu que je fasse 3 XL. Bon, j'ai fait L ou XL, je ne sais plus. Mais j'ai rajouté, j'ai mesuré sur moi par rapport à mon tour de hanche, tout ça, et sur le patron ce que ça donnait. Donc j'ai rajouté 2 cm sur le côté. Plus les marges de couture, parce que les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. On aime. Donc, j'ai bidouillé. J'ai bidouillé, mais j'ai bidouillé sérieusement. J'ai mesuré sur moi, tout ça, tout ça, tout ça.
Parce que clairement, 3XL au niveau du haut, c'était pas possible. Enfin, moi, j'aurais bâillé dedans, mais voilà. Bon, j'ai pas fait tout à fait ce qui était indiqué. Vous allez voir, mais c'est pas grave. Donc, je l'ai fait dans ce lin viscose. Je pense que c'est un lin viscose qui vient de chez Dressenstoffen, que j'ai depuis l'année dernière au moins. Voilà, qui est de toute beauté. Et voilà ma réalisation. Donc, le devant. Voilà, qui est ouvert comme ça. Donc évidemment, il y a une parementure qui est thermocollée. Alors, je ne peux pas vous montrer le thermocollant parce que j'ai fixé ma parementure avec un point visible à la main. À l'arrière, vous avez cette espèce de goutte ici. Alors, mon bouton est très gros, trop gros sans doute, mais j'ai pris ce que j'avais en stock. Peut-être qu'un jour je changerai, mais j'ai pris ce que j'avais en stock. La bride est quand même pas petite petite, donc bon. Voilà. On a quelque chose de droit. Il n'y a pas de pince poitrine. On est sur une petite robe trapèze. Il y a les plis ici. Je trouve ça assez rigolo. C'est sympa. Ça dénature pas trop les fleurs, je trouve. Donc ça passe plutôt bien. Et les manches, on vous conseillait de poser un biais à cheval, je crois, dans mon souvenir. Moi, j'ai posé un biais, mais pas à cheval. Je l'ai rentré à l'intérieur. Alors, j'avais un biais qui allait très bien avec. Un espèce de biais effet lin. Si. Gérard veut bien faire la mise au point, mais Gérard ne veut jamais faire la mise au point. Bref. Du coup, moi je trouve ça plus propre comme ça, à l'intérieur, de vraiment pas voir le biais qui dépasse. Même si le biais allait avec le tissu, j'aurais trouvé que. Je trouve toujours que ça fait un petit peu plus grossier quand on voit le biais. Surtout aux emmanchures. Je sais pas. Je suis pas toujours satisfaite. Des fois, ça va me satisfaire et d'autres fois, je. Non. Donc écoutez. Bon, ce qui fait que du coup, mes épaules sont réduites, quoi. Parce que ça devrait arriver jusqu'ici. Là, avec le biais rentré à l'intérieur, du coup, ça réduit l'épaule. Moi, ça me dérange absolument pas. Je trouve ça très mignon comme ça. Et j'assume totalement. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup cette petite robe, écoutez. Je pensais pas qu'elle allait me plaire autant. Je me disais, bon, tant pis pour mon tissu, mais j'ai pas envie de racheter du tissu pour cet exercice-là. Et puis finalement, voilà. Bon, j'espérais un peu quand même que j'allais pouvoir la porter, hein. Mais là, ça me plaît vraiment. Et donc la parementure, effectivement, je l'ai fixée partout avec un point invisible à la main. Ça ne bouge pas. Et pareil, alors, ça se voit pas beaucoup, mais enfin, si là, ça se voit. En fait, j'ai surpiqué mes marges de couture à chaque fois. Mais voilà, mes coutures sont bien écrasées. Et j'ai surpiqué des deux côtés. Voilà, pour que ça ne bouge pas. Le lin étant quand même une matière des fois un peu plus fragile, le lin viscose, là je voulais vraiment que ça ne bouge pas et que je puisse la porter et la laver un certain nombre de fois. Je l'ai déjà portée et alors, je l'ai déjà portée, moi j'ai aucune difficulté à la porter. Par contre, je pense que quelqu'un qui est très sensible au niveau de la peau, du toucher, du. Voilà, serait peut-être un peu gêné. Je trouvais que. Pardon. Je trouvais que le tissu est un peu rêche, voire gratté un tout petit peu. Peut-être qu'avec plusieurs lavages, ça va finir par s'atténuer et voilà. Mais voilà, moi je peux le porter. Ça me. On va dire que les 2 premières minutes, je le sens, puis après je le sens plus, honnêtement.
Mais quelqu'un qui est un peu sensible, peut-être que ça va être embêtant pour lui. On est arrivé au bout de ce bilan couture. Je suis assez contente de moi à nouveau. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, je pense honnêtement que c'est des coutures que je vais porter, vraiment porter. Donc je suis très contente. C'est des choses que j'ai testées déjà. La robe, j'étais pas tout à fait sûre et finalement, je l'ai portée plusieurs fois. Notamment le soir, après la douche, ou voilà, ou quand je vais faire du jardin, je rentre, je me douche, je la mets, c'est hyper agréable, je suis très bien dedans. Et elle est très mignonne. Ça n'enlève rien au plaisir. Encore une fois, je suis assez contente de moi et n'hésitez pas à vous envoyer des fleurs quand c'est comme ça parce que ça fait du bien au moral. On en a besoin en ce moment. Voilà, c'est un bilan très positif pour moi ce mois-ci. Et je vais continuer un peu sur cette lancée-là. J'ai beaucoup de tissus à coudre. D'accord. J'ai pas beaucoup craqué encore pour les soldes, mais j'aurai quand même quelques petites choses à vous montrer dans une prochaine vidéo, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous mets ça au chaud, vous inquiétez pas, mais je vais m'arrêter là quand même parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 heures encore. J'ai quand même quelque chose à vous dire en plus de ce bilan couture. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps au moins, j'ai décidé... L'inscription n'est pas faite, mais en théorie j'ai décidé de passer le CAP couture vêtements flous. Cette année, enfin l'année prochaine du coup, puisque les épreuves sont passées pour cette année. L'inscription se fera, faut que je regarde parce que ça change d'une académie à l'autre, mais septembre, octobre, novembre, voilà, par là. Donc tant que l'inscription n'est pas faite, hein, on ne sait jamais. Mais normalement, bon, j'ai quand même prévu de le faire, de me lancer dans ce challenge-là. Je sais que vous êtes plusieurs, pareils, à vous lancer dans ce défi et je trouve ça très très chouette. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé si il y avait moyen de se soutenir, on va dire, dans ce challenge. Je trouve l'idée assez chouette, finalement, de pouvoir se créer un petit groupe. Pour se serrer les coudes et se challenger, enfin s'aider à se challenger là-dedans. Donc, si ça vous intéresse, je suis en train de monter un serveur sur Discord pour ça. Donc, c'est un petit serveur, c'est juste pour discuter entre nous. On est clair qu'il ne s'agit pas pour moi de vous donner des cours ou de remplacer, on va dire, une formation sérieuse comme artisane ou autre. Il y a d'autres formations qui peuvent vous aider à passer le CAP. Il y a des écoles, il y a voilà. Il ne s'agit pas du tout de remplacer ces institutions, on va dire, là. C'est vraiment un groupe d'entraide et de discussion autour de du CAP. Que vous soyez dans une école ou que vous le passiez en candidat libre, comme ça va être le cas pour moi. Voilà, c'est vraiment... on ne fait de concurrence à personne, c'est juste un groupe pour discuter et rigoler un petit peu et se détendre et dédramatiser peut-être certaines choses et puis bon, s'aider un petit peu sur les exercices s'il y a besoin, voilà, mais... Pas donner des cours, bien sûr, c'est pas du tout le but de ce serveur. Donc, si ça vous intéresse, écoutez, vous me le dites en commentaire et je vous donnerai l'adresse du serveur. Pour l'instant, je la mets pas en barre d'infos
parce que c'est pas tout à fait fini. C'est en cours de construction, mais voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie. Moi, je gagne rien à faire ça. C'est vraiment juste entre nous, comme ça. Hein, je vais être claire. C'est juste pour discuter de cette chose. Voilà. Donc peut-être que si vous le passez en candidat libre, vous vous êtes payé cette brique. Et voilà. Donc voilà pour ça. J'en reparlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo quand le serveur sera vraiment fonctionnel, bien monté, tout ça. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire en tout cas pour qu'on puisse commencer à discuter de ça sérieusement. C'est voilà, c'est juste une invitation que je lance comme ça, puisque plusieurs personnes m'ont demandé si c'était possible de se soutenir. Donc le serveur sera sur Discord. Si vous n'êtes pas inscrit encore, vous inquiétez pas, vous pourrez vous inscrire après sur Discord, c'est gratuit. Voilà, et ça permet de discuter, d'envoyer des photos, de partager des liens. Il y a un serveur vocal aussi, donc on peut s'appeler avec ou sans caméra selon ce qu'on a envie. Donc ça peut être l'occasion de faire des sessions couture ensemble. Ça peut être, je sais qu'on peut regarder des vidéos ensemble aussi. Bon là, ça ne sera pas forcément le cas pour ce serveur-là. Mais voilà, c'est vraiment en Discord, on peut faire énormément de choses dessus. Donc, et c'est gratuit. Voilà. Ceci étant dit, on arrive à la fin de cette vidéo et je voulais vous remercier si vous avez tenu jusqu'ici. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'ai 2-3 idées en tête qui sont revenues. Et normalement, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. Enfin, j'ai quelques idées de vidéos à venir. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. D'ici là, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes cousettes. Ne craquez pas trop votre slip dans les soldes, hein? Je dis ça, mais je suis très mal placée pour dire ça, hein? Ce que je peux vous conseiller, c'est avant de partir faire les soldes, regardez votre stock de tissu, droit dans les yeux. Vous le regardez droit dans les yeux, voire vous le prenez en photo. Et après, vous allez faire les soldes. Et au moment de craquer, vous regardez votre photo de votre stack et vous dites ah! Peut-être que ça peut vous retenir un petit peu de faire des folies. Je ne sais pas. Chez moi, ça ne marche pas, mais jamais. Voilà, en tout cas, faites-vous plaisir. On en a bien besoin en ce moment. Amusez-vous, cousez, faites du jardin, mettez de la crème solaire, tout ça, tout ça, tout ça. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Et vous savez pourquoi vous n'avez pas vu Doudou? Parce que Doudou a un nouvel arbre à chat. Eh, il est bien l'immeuble là? Regardez-moi ce truc. Voilà. On a fait les soldes pour Doudou. Ça va? On est bien? Ouais? Regardez les pigeons et les choucas. Ouais. Mais t'as manqué aux gens, hein.